Aujourd'hui, nous sommes au stade Roger Zamy, le stade municipal du Gosier. Nous avons un comité de pilotage avec les différents intervenants, que ce soit la maîtrise d'œuvre ainsi que les exécutants, les entreprises. Donc, nous avons fait un point sur l'avancement des travaux, les travaux qui ont bien commencé, que ce soit sur la piste d'athlétisme, le terrain de foot ainsi que l'éclairage public. Et nous sommes également aussi pour la deuxième partie du stade, c'est-à-dire les tribunes ainsi que les vestiaires, afin de pouvoir organiser des compétitions aux normes régionales. Nous sommes sur une infrastructure qui est en travaux depuis un moment déjà, sur sa phase 1, qui est en train de prendre fin. Donc on est sur la phase préalable de réception des travaux. Et enfin, les associations vont pouvoir très bientôt occuper les lieux. Donc on est sur la phase de réception, pas d'accueil encore, mais de réception uniquement. On n'est pas le mettre encore à disposition du public. C'est une priorité pour la municipalité. Donc nous allons faire en sorte que la phase 2 se déroule aussi rapidement en fait. Les associations peuvent commencer à se présenter à nous. Une partie, la partie arrière sera séparée pour permettre aux associations, aux clubs de se rencontrer dans les vestiaires et au public d'accéder aux tribunes. C'est une priorité, ça permet surtout d'avoir un bâtiment beaucoup plus fonctionnel et accueillant pour à la fois les associations et pour le public.